CSIPN de l'Assemblée extraordinaire. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la CSIPN, les membres réunis ont levé l'option de déclencher la grève dès ce lundi 7 août 2017. Après un préavis de 48 heures, cette grève est motivée par le non-respect de revendications faites par le scientifique aux autorités nationales. Il s'agit des griefs ci-après. 1. Paiement sans délai des salaires de juillet 2017 au taux fixé par l'autorité budgétaire. 2. La mécanisation de membres du corps scientifique, primes institutionnelles et salaires de base. 3. Régularisation de la prime de 500 000 francs économisée à la commission du comité du contrôle de 2013. 4. Ouverture de filières en non éligibles ayant rempli les critères. 5. Lever des mesures permettant aux doctorants ayant terminé leur dissertation de les soutenir. 6. Tous les scientifiques, chefs de travaux et assistants sont appelés au strict respect de la présente déclaration. Fait à Kinshasa le 5 août 2017 pour la CES, le président. Bassa Ngoutolo Jean-Mathieu. Voilà. Ah. Et Indy. Encore. La situation actuelle que vous connaissez, que nous connaissons tous, vu la modicité de notre salaire, vu tout ce que les scientifiques sont en train de vivre, nous avons décidé, et moi personnellement en tout cas, d'aller en grève. Cette grève, c'est sur base de ce que nous touchons, c'est sur base à notre avancée scientifique et c'est sur base aussi de cet écart des salaires qu'il y a entre les professeurs et nous. Mais nous n'avons aucune guerre contre les professeurs. Nous sommes là scientifiques, nous voulons émerger. Et pour émerger, il faudrait que nous soyons pris en charge par l'État qui est notre autorité budgétaire. Et nous demandons à l'État de tenir compte de tout cela parce que là, nous avons décidé d'aller en grève et de n'avoir aucun service. Tenant compte que ce soit le jury, que ce soit la correction des papiers, nous ne prendrons part à aucune activité scientifique en ce terme. Donc je demande à l'État de prendre soin, de vouloir quand même prendre en considération nos desiderata. J'étais en train de dire que la réunion que vous venez d'assister tout à l'heure, l'Assemblée générale extraordinaire, est motivée par, en gros, je vous dirais, la dégradation des conditions de vie des cadres scientifiques. Pas seulement de l'IPEN, bien que nous de l'IPEN avons décidé de prendre le devant pour à la fois dénoncer le mauvais traitement qui nous est réservé, mais aussi et surtout inciter l'autorité compétente à prêter son oreille à nos cris de souffrance et de difficultés auxquels, je dirais, nous sommes soumis à dessein. C'est ça qui a motivé cette assemblée que vous venez de vivre et nous tenons à pérenniser et à résister et à cristalliser cette grève si jamais nos revendications ne trouveront pas gain de cause. Merci. Le point de vue qui vient d'être donné ou le mot d'ordre qui vient d'être donné pour la grève est soutenu par tous les scientifiques de l'Université pédagogique nationale. Après un constat fait, les autorités du pays ne sont pas à même de respecter les engagements pris avec les partenaires. C'est ainsi que la grève vient d'être déclarée avec un préavis de 48 heures. Au cas où les autorités ne sont pas prêtes à réagir, cette grève va se radicaliser. Voilà pourquoi, à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire, nous avons épinglé quelques griefs qui motivent cette grève. Entre autres, depuis le mois de juillet, les scientifiques ne sont pas payés. D'une manière générale, au niveau de l'ESSI, personne n'est payé. La non-mécanisation de beaucoup de scientifiques concernant les salaires de base et la prime institutionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques souffrent. Et il y a un écart significatif d'ailleurs qui s'est fait voir entre les professeurs et les scientifiques. Et vous êtes sans ignorer que les enseignements sont tenus par les scientifiques d'une manière générale et non par les professeurs. Et ce sont les scientifiques qui sont marginalisés.
Un autre grief est lié à l'indexation des salaires. Cette indexation a été autorisée par l'autorité budgétaire, qui est le Parlement. Et la loi a été promulguée par le président de la République. Et nous constatons une négligence, disons, de la part des autorités pour ne pas mettre en application cette loi. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de déclarer la grève aujourd'hui pour que les autorités du pays se sentent responsables, car ils sont obligés de diriger au regard de leurs engagements. Merci.